Salut à tous, c'est Titreza. Toute petite vidéo, juste pour râler. Ça doit vous le faire aussi. Je mets un DVD, juste pour avoir un fond musical. Ici, les maîtres de l'univers. Et sur la prise Péritel, bah, j'ai la prise qui va jusqu'à la télé, une multiprise. Et là, ça, c'est une Xbox qui est branchée, une 360. Avec le câble Péritel, mais la console, elle est complètement éteinte. Le truc relou, c'est que j'ai pas le son de ma télé tant que cette prise-là reste branchée de la console. C'est super relou. Ça doit vous le faire aussi chez vous. Voilà. Je débranche la Péritel de la console. Et puis j'ai essayé toutes les prises. Mais à chaque fois, ça donne le même résultat. Et dès que c'est rebranché, le son qui provient du lecteur DVD, qui est ce cordon-là, eh bien, ne passe plus. Alors, je sais pas si... Il me semble avoir toujours été embêté avec ça. Je pense pas, du coup, que ce soit lié à un cordon ou au matériel précis. Ou à la multiprise. Mais j'ai remarqué ça très, très, très souvent. C'est très relou. Je suis obligé de débrancher, juste pour avoir le fond. Le fond. Une petite... voilà. Ce que vous entendez là. C'est super relou. Bon, allez. Est-ce que j'enchaîne avec la vidéo... qui était de but, la vidéo décor. Allez, on va dire oui. Allez. Et bonjour à tous, c'est Litreza. On se retrouve pour, une avant-dernière vidéo sur le nouveau décor. Comme je l'avais dit dans la vidéo précédente, qui prend lieu et place à l'intérieur d'une étagère plastique, comme ça que j'ai chez moi. Donc le but, c'est d'avoir... pour toutes ces étagères-là, uniquement des décors avec des figurines. Donc, des décors moins compliqués que ceux que j'ai fait pour les figurines Mythos. Ça sera des décors pour les autres figurines. Je pourrais faire des décors Mythos là-dedans. Mais le problème, c'est que ça prendra trop vite la poussière. Et à nettoyer les figurines Saint Seiya, leur pose sera assez compliquée. Toutes les pièces métalliques, il faudra beaucoup de temps pour nettoyer toutes ces figurines. Donc, je conserve... les figurines Saint Seiya et leur décor dans les vitrines. Tout ce qui n'est pas en vitrine, ça sera toutes mes autres figurines qui sont de ce type-là en plastique, beaucoup plus facile à nettoyer. Donc le but, je voulais déjà le placer. Il est fini à 95%, il me reste des petites retouches de peinture et de coller toutes les pièces ensemble. Je voulais déjà vous montrer un peu le but, la manœuvre pour installer le décor. Donc la peinture, elle est choisie. La peinture principale. Je commence d'abord par le plateau. Donc la peinture principale, ça sera du violet. Vous allez voir pourquoi très très vite. Vous voyez ici, il n'y a pas de peinture, parce qu'il va y avoir des plaques qui sont posées au-dessus. Ça ne sert à rien de mettre de la peinture si on ne voit pas la pièce. Par contre, j'ai bien fait tout le derrière. Il y a des petites retouches à faire. Le côté, les devants, le dessous, c'est pas la peine. Vous voyez ici les petits cure-dents, ici là et ici. C'est pour fixer les pièces en attendant qu'elles soient collées pour voir visuellement ce que ça donne, mais bon, pour avoir le visuel. Donc ici, je me sers les tubes peuvent rester ici parce que j'ai fait ici les trous assez grands normalement. Et je laisse les cure-dents aussi, c'est un repère. Ça, je sais que c'est ce qui est au fond, contre le mur. Ah, finalement, dans l'idée, je pouvais les laisser, mais non, j'ai vite vu que ça me poserait problème. Elles se défont et ils se remontent très vite, les armoires. Il n'y a pas d'outil à avoir. La seule chose à faire, ça je le ferai quand je serai complètement installé dans ma nouvelle maison, elle sera fixée au mur. Le dernier au fond, il n'est pas très accessible. Il y a l'autre étagère à côté qui touche, donc il y a plein de choses un peu bancales, enfin, en tout cas de plus en plus, donc je vais essayer d'éviter de bouger le dernier. Voilà, je place donc mon plateau ici.
sais pas si vous entendez la petite musique des maîtres de l'univers, les... ce qu'on appelle plus facilement les musclores, qui sera le thème de ce décor-là. Peut-être de toute l'étagère, en fait. Les figurines maîtres de l'univers, vous devez le voir, le petit truc là, où musclore sur son tigre de combat. Voilà. Les maîtres de l'univers, c'est avec les Misclos, les figurines que j'ai le plus. Donc il va falloir bien leur attribuer une classe. Donc ensuite, j'ai tous les morceaux ici que je dois placer. Le fond, les côtés. Hop, je vous les montre. Oula, je vais casser la gueule. Donc ça, ce sont les côtés. Cette partie-là, elle est devant. Et si elle est là. Donc ça, ici, cette partie-là n'était pas peinte. C'est parce que c'est ça qui vient se poser ici. Donc là, je vais avoir vraiment un rendu avant d'appliquer une dernière couche de peinture et de coller les éléments ensemble. Donc ça sera dans ces étagères-là, pas des décors qui demandent, ça demande du temps parce que c'est gros, il y a beaucoup de pièces, mais au niveau détail finition, il n'y en a pratiquement pas. En même temps, le but c'est d'avoir un rendu pas mal, et vu le nombre de figurines que j'ai, je vais devoir en faire beaucoup. Donc je ne peux pas fignoler comme pour les décors Saint-Sia qui eux seront vraiment tous uniques. Là encore une fois, cette pièce-là, ça ne sert à rien de peindre en dessous. Donc j'ai pris la couleur violette, il y aura aussi un peu de gris et du noir, pour rappeler les couleurs du fameux château qu'on pouvait acheter dans les années 80 des jouets musclores, le château de la montagne, je crois, montagne du serpent. Le château qu'on nous vendait comme étant le repère général de Skeletor. Donc celui-là, je l'ai trouvé en vide-grenier. C'est pas le mien de quand j'étais petit, mais je l'avais bien quand j'étais petit. Donc, violet, gris et noir. Principalement violet pour la couleur, et dessus des touches de gris et de noir. Donc, j'ai fait le décor de la même façon pour que ça rappelle ces couleurs-là. Donc, il y a un sens. Je clique. Allez, cure-dent. Voilà. Ça tient suffisamment bien pour moi me donner. Pour voir ce que ça va donner. Une fois que j'aurai posé ce que j'ai posé aussi, je prends des photos. Ça c'est le fond. Le fond c'est pareil, peint que d'un seul côté. Mais je vais le peindre quand même de ce côté-là. Parce que je ne sais pas où sera disposée l'étagère, ça serait quand même sympa qu'il y ait des couleurs de quel que soit le côté où on la regarde, même si c'est contre le mur. Ça sera plus facile de le faire maintenant que de le faire quand tout le décor sera collé ensemble dans l'étagère. Là, il faut que je triche un peu parce que ça m'est arrivé de le poser et en fait il est passé derrière, il est tombé. Et je n'ai pas trop envie que ça se reproduise, alors il faut que je trouve un moyen d'empêcher ça. Peut-être caler quelque chose au fond, à plat, pour que le décor repose dessus. Ça m'embête parce qu'évidemment sans le fond. Voilà, j'ai trouvé un carton vide. Pas vide, il y a du papier de rembourrage, ce genre de choses. Et du scotch, évidemment, j'ai aucun outil ici dans le bureau.
Alors moi j'aime bien montrer comment je procède pour tester des choses. Plutôt que de faire une vidéo où je montre le décor fini et sans rien d'autre. Alors voilà, ça c'est pas mal. Alors, est-ce qu'il peut passer en dessous? Voilà, bon ça fait une petite épaisseur en plus, mais rien de dramatique vu que c'est pas l'installation finale. Hein. Voilà, là, j'ai, comme ça le décor ne peut pas tomber. Il n'est pas droit, mais au moins il ne peut pas tomber. Le décor il sera bien sûr pas laissé comme ça, il y aura toujours un plateau dessus hein, pour mettre des boîtes et autre chose. Donc il faut que ça en fasse partie. Voilà. Là c'est juste pour avoir une idée de ce que ça peut donner. Voilà, bon, c'est un peu. Moi j'ai surtout besoin de vos avis, de vos retours, parce que pour moi ça me paraissait être une très bonne idée de créer le décor au format de l'étagère, mais si ça se trouve c'est complètement atroce. Hein. Moi, dans l'idée, c'est ce que je voulais faire. Donc, c'est ce que j'ai fait, mais j'ai pas vraiment de recul, évidemment. Voilà. Donc, je vais peut-être enlever ça, parce que c'est de travers, ça ne me plaît pas trop. C'est toujours comme ça, les décors à monter, hein, comme les figurines. Vous êtes en train de mettre une partie à droite bien, et puis c'est là, c'est à gauche que ça se casse la gueule. Voilà. Du coup, c'est pas mal. On va placer quelques figurines. Voilà, par exemple. Quoi d'autre? J'avais le cheval ici, par exemple. Et là, on va placer le muscle. Alors, j'ai pas de squelettor là tout de suite maintenant, tant pis. C'est juste pour avoir un petit peu le rendu de ce que ça peut donner. Ce qui est sûr, c'est que ça va être c'est que ça va être trop le bazar si j'en crée plusieurs. Il faut vraiment que j'ai complètement terminé celui-ci avant de passer à un autre. Moi, je voulais le mettre ici au fond. Puis ce truc là peut-être une sorte de piège. Ça va pas.
Par exemple, alors évidemment, là tout seul, lui tout seul à côté des autres trucs, ça rend pas super, mais j'imagine qu'une fois plusieurs étagères de plastique avec uniquement des décors et des figurines, ça devrait rendre déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. En tout cas, l'idée que j'avais de départ de créer ça sur l'étagère directement, ben, ça a l'air de se mettre plutôt bien. Je suis plutôt content. Eh bien, je vous dis rendez-vous pour la vidéo une fois tout le décor complètement fini. Je vais rajouter encore un peu de peinture. De la peinture grise, de la peinture noire pour encore une fois rappeler les couleurs de ce château-là. Le château, lui, qui ne sera pas dans le décor, hein. C'est trop, il n'y a pas assez de place. Je pense que les châteaux, celui-ci et le château des ombres, ils seront posés sur le dessus. Et que le reste, ça sera les figurines, les montures, etc. sur ce type d'étagère-là. Allez, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.